routine matinale. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma routine matinale avec ce savon de Kojisan. Hein? Alors, voici un élément qui vous permet de savoir si vous avez la bonne version. Il est écrit sur la barcode que je vous montrais, le mot BV. Donc, j'ai décidé de faire ma routine matinale avec ce savon parce que j'en ai tellement entendu parler que j'ai dit, bon, on va faire notre routine avec. Je vais laver mon visage avec, déjà pour avoir une première impression. Hein? Donc, j'ai fait mousser le savon dans la main, j'ai frotté mon visage avec. Hein? J'ai frotté, comme vous pouvez voir sur l'image. Hein? Et quand j'avais l'impression que la mousse est sèche, je rajoutais un peu de l'eau pour frotter. Et après quoi, j'ai lavé. Je me suis servi de mon sérum à l'aloe vera que j'ai fait moi-même, hein? Du gel d'aloe vera avec un peu de vitamine E, un peu d'huile hydratante, comme bee oil, huile de carotte, la vitamine E, je l'ai déjà cité. Et voilà, j'ai appliqué ça sur mon visage après avoir lavé. Je l'ai fait quand même deux ou trois fois, hein, jusqu'à ce que j'obtienne mon glow. Voilà, donc une première fois déjà. Non, ça c'est la deuxième fois. Hein, donc je vais appliquer comme ça. Il est très liquide. Rappelez-vous, le gel d'aloe vera contient quand même plus de 50% d'eau. Donc c'est pour ça que voilà, je n'ai pas ajouté d'éléments chimiques histoire de solidifier le gel. Non, j'ai décidé de l'utiliser comme ça à l'état nature en extrayant le gel d'aloe vera directement de la feuille. Voilà. Et après ça, j'ai mis ma crème. Donc vous savez déjà la routine habituelle. Hein. Après l'application du sérum, c'est la crème. Là, j'ai sauté une étape. C'est l'application de la lotion tonifiante. Ce n'est pas grave. Je l'ai passé la veille. Si on saute un jour sans la mettre, franchement, ce n'est pas grave. Voilà, après ça, je vais passer, il ne faut surtout pas oublier d'humecter les lèvres. Donc moi, je le fais toujours, hein. Ça c'est... Voilà. Et après, j'ai appliqué ma protection solaire. Il faisait soleil dehors et j'avais décidé de sortir, je crois, travailler dans le jardin. Donc, il fallait que je protège ma peau, même si je vais porter une sorte de chapeau, histoire de protéger mon visage. Je mets quand même l'application solaire, hein, ça je ne montre pas trop souvent comment j'applique l'application solaire sur le visage. Généralement, on voit toujours mon menton blanchi. Donc vous aussi, si vous arrive de faire votre routine matinale, n'oubliez jamais d'appliquer votre protection solaire, hein, avant de sortir. Cela protège la peau et permet aux taches d'hyperpigmentation de disparaître. Alors, ma routine étant achevée, je vous dirai ce que je pense de ce savon. J'ai quand même un bon sentiment. Hein. Donc, je vais l'utiliser pendant un mois, on verra. Généralement pour ma routine matinale, pour mes soins faciaux et quelquefois aussi, pourquoi pas sous la douche. Donc, voilà, le savon Kojisan, parce que j'en ai tellement entendu parler. Et je vous avoue, si c'est très bien, je vais en faire un molato avec. Ok, ciao!